je veux pas tomber dans l'amalgame. Je pense qu'il y a vraiment un cas à part, qui est Marine Le Pen, parce que c'est le populisme anti-européen d'extrême droite. Et puis après, il y a un débat européen, avec des gens qui sont plus ou moins européens, qui respectent plus ou moins les règles, qui sont plus ou moins enthousiastes, qui sont plus ou moins souverainistes, mais qui ne sont pas dans la négation de l'Union européenne, aucun d'eux. Et pas le candidat socialiste, qui est un candidat pro-européen. Bah, tout de même, Clémentine Forestier. Mais il est très critique, vous avez dit. Mais dont le réalisme pourrait s'améliorer. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis prêt, moi, comme commissaire, à rencontrer tous les candidats, à part Mme Le Pen, parce que ça ne se passerait pas bien. On n'aurait pas grand-chose à dire, en réalité. Mais tous les candidats, pour parler avec eux, des intérêts de la France en Europe, des règles européennes. Vous ne l'avez pas encore fait, non ? Non, je ne l'ai pas fait, mais je profite de ce que je suis ici pour lancer cet appel. Je pense d'ailleurs que ce serait tout à fait normal.